J'ai une méthode de travail un petit peu spéciale, où en général, je me définis plus ou moins le contexte de mon histoire. J'ai déjà les personnages, je sais plus ou moins ce qu'ils sont, ils vont évoluer durant l'histoire. Mais je tente de m'isoler dans un endroit très bruyant, sans que le reste se sente isolé. Je ne veux pas travailler chez moi avec dans mon bureau. Inventer une histoire de bureau, c'est totalement impossible. Je peux travailler à la machine. J'écris à la machine. Mon histoire, tu vois, mon synopsis. Et après, je prends des feuilles comme ça et j'écris tout comme si je devais raconter mon histoire. Et je mets les textes, et je ne sais pas ce qu'il y a là. Par exemple, je suis ici, le cavalier, je ne sais pas ce qu'il y a là, c'est blanc. Et ensuite, je fais photocopier, réduire les pages, et je me relis régulièrement, de manière à être très cohérent, et je lis mon histoire. Mais tant que ce n'est pas bien cohérent, tant que je ne peux pas le mettre à l'intérieur en disant ça va, je peux le lire comme ça, je comprends l'histoire en la lisant comme ça, je n'ai pas besoin de ça. Tant que j'arrive pas à ça, je commence pas à faire réellement mon définitif. Tant que le film me plaît dans ma tête, tant que j'ai des personnages qui roulent et une idée entraîne l'autre, moi je raconte des histoires, tout simplement, voilà. Et elles sont simplement dessinées, elles sont pas écrites. J'aime bien, de temps à autre, faire des pages que j'appelle moi-même tout seul, des pages de situation. Je sais qu'il y aura là une scène de pillage dans le village, mais je la sens pas. Je la sens 10 fois, donc tant que je la sens pas une seule fois bien, je vais pas la commencer. Elle est pas très importante, c'est une case de situation. Il faut qu'on sente qu'il y a des espèces de pirates malais rentrent dans un village et qu'ils saccagent tout. Elle doit venir là pour la cohésion, pour tout ramener vers le juge qui le voit et qui parle, voilà. J'utilise souvent ce genre de technique avec. Il m'arrive même de faire des préparations de pages entières, totalement montées auparavant, déjà avec les cadres dessinés, sans avoir écrit l'histoire. Comme je travaille par page complète, j'essaie d'équilibrer au maximum mes noirs, mes blancs, que ce soit lisible, que ce soit pas trop confus. Et je tente de confirmer avec des noirs, mais j'y pense pas, je réfléchis pas. De manière à ce que quand j'arriverai à finir la page, elle soit pas déséquilibrée ou je me dis, nom d'un chien, il faut que je refasse cette partie-là parce qu'elle colle pas bien à l'autre. Je préfère la faire, la laisser se monter un peu comme fait une sculpture, tu vois, un peu. Elle doit être compréhensible, voilà. Mais si je fais une case entièrement, si je fais définitivement, je prends une décision immédiate qui n'est pas forcément la bonne. Le dessin, c'est accrocher le regard de quelqu'un et son intérêt. Ensuite, dès que le dessin a amorcé l'intérêt de la personne sur la première page, rien ne doit exister que l'histoire. Et le dessin doit s'effacer pour n'être que le porteur du mot et de l'action. Une histoire, ce n'est pas qu'une aventure, c'est aussi une dose énorme de renseignements qu'on peut faire passer inconsciemment à la personne qui le lit. Ce n'est pas simplement qu'une histoire. Il doit être enrichi. Il doit être heureux de l'avoir lu et enrichi de connaissances en plus. Et j'ai l'impression de devenir une espèce de puits dans lequel on jette plein de choses. C'est des choses très simples. Pour Poupée d'Ivoire, je dessine un bateau japonais qui est dans une des pages là. Bon. Et je me dis, mais ça m'amusait bien de faire le contraste sur les côtes de Malaisie avec des Japonais. Et puis ce côté, bon, katana, machin, puis le maquillage blanc, puis cette rigueur. Et là, je me renseigne sur le Japon, parce que c'est sur le même principe. Est-ce qu'il y avait des pirates japonais qui pouvaient cavaler le long des côtes asiatiques? Ah ben non. En aucun cas et jamais. Le Japon n'est jamais sorti de chez lui, et il est sorti réellement de chez lui lors des premières légations vers 1880-90. Et le Japon avait interdit la roue.
Ils ont découvert la roue avec les Européens à la fin du 19e siècle, de manière à ce que l'information ne circule pas hors du Japon. Ce qui fait qu'un Japonais n'a jamais pu sortir non seulement de son patelin mais de sa province, mais en aucun cas du Japon. Ouais, pour autant que faire un langage totalement inventé, vu que je ne savais pas du tout comment parlaient les Malais à cette époque, vers l'an 800. Alors j'ai inventé un langage, enfin une écriture. Alors en le retournant, ça devient totalement autre chose. Là, ils vont déguster, go! Mais dans le sens, non, pas du tout. Ça fait vachement indien, malais, indonésien. Mais tout est comme ça. Quand on le retourne, ça veut dire absolument autre chose.